Les tempêtes de neige et les très basses températures sont monnaie courante durant l'hiver canadien. C'est même peut-être ce qui fait le plus peur aux nouveaux arrivants. Pourtant, les Canadiens sont parfaitement préparés à leur hiver et y survivent chaque année sans grand mal. Damien, expatrié à Montréal en 2010, nous parle de son expérience. Donc c'est vrai que globalement on nous dit toujours le grand froid, il va faire moins 40. Il a fait froid, mais très peu. C'est vrai qu'en même temps, il peut faire froid, mais dès l'instant où il y a ce qu'on appelle le facteur vent, ça augmente cette sensation de grand froid, d'être gelé jusqu'aux os. Mais bon, là, cette année, j'ai pas pu m'en rendre compte parce que l'hiver a été extrêmement doux, historiquement même, je dirais, parce que beaucoup de Québécois ont été étonnés justement de la météo de cet hiver. Si en Europe, quelques centimètres de neige suffisent à immobiliser la circulation, il en est tout autrement au Canada. Il n'est pourtant pas rare de voir plusieurs mètres de neige tomber durant un hiver, même dans une grande ville comme Montréal, ce qui peut vite surprendre. Voilà, en tant qu'Européen, la neige, on n'en a pas tout le temps. Voir 2 mètres de neige dans une ville en France, bon, enfin, ça dépend si on va dans certaines régions comme les Alpes. Mais dans les grandes villes, moi, j'ai jamais vu autant de neige d'un coup, quoi. C'était amusant. Donc forcément, nous, là, on a des yeux d'enfant sur la neige, donc nous, ça nous amuse. C'est vrai qu'après, à long terme, ça peut agacer, quoi, d'avoir autant de neige, surtout quand il faut sortir la pelle, que ce soit pour la porte du garage, que ce soit pour la porte d'entrée, qu'il faut s'habiller trop chaudement. Il y a un bon système justement de déneigement par la ville de Montréal. Donc c'est des espèces de gros tracteurs qui donc charrient toute la neige sur les bas-côtés de la route, entre autres, et aussi donc ils mettent beaucoup de sel ou des graviers. Donc avec tout ça, ben, les accidents de verglas, il n'y en a pas vraiment encore. Pour éviter le froid et la neige, il existe des solutions, comme le réseau souterrain à Montréal. Cet ensemble de couloirs et de galeries marchandes relie en effet le centre-ville de Montréal et permet d'aller de magasin en magasin sans mettre le nez dehors. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, personne ne vit dans cette ville souterraine. Il s'agit simplement d'accès reliant le métro à des bureaux et à des centres commerciaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vivre au Canada, et d'ici là, bonne année à tous!